Ouais. Ah. Donc maintenant, ça fait même. Salut, c'est Naz06bis. On va regarder une vidéo de Bassem et après je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Ouais. Ah. Donc maintenant, ça fait même des TikTok pour insulter nos sœurs qui se mettent avec des maghrébins. Maintenant, tellement ça nous pisse dessus parce que tellement que vous êtes des fils de pute, on est devenus des fils de pute, maintenant ça nous pisse dessus. Les sacs à main de merde font des vidéos en disant j'insulte personne, mais les maghrébines qui se fêtent avec des maghrébins, voilà ce que je pense. Et dans la musique, c'est marqué salope, c'est marqué. Et dans la musique, tu entends ça. C'est comme le snap que je venais de vous faire là. La musique définit une personnalité. Donc là, regarde, c'est simple, clair et net. Ça prouve bien que c'est tout le temps les mêmes, qui viennent du même endroit. Et personne ne leur dit rien. Parce que les gens de ma communauté, je dis pas tous bien sûr, mais les gens de ma communauté de là-haut, vous êtes des fils de pute. C'est tout! Là, on le sait! Ailleurs, ils se permettent pas. Il n'y a que là-haut, là où ils se permettent, ils vous cassent le cul. Quelle honte! La vie de ma mère, ouais, mais non! Mélange pas tout! Nous, t'as vu? On n'a pas le time, allez vous faire enculer. C'est pour ça que je vous ai dit, mes frérots. La province, les Bruxelles, le reste, on s'en bat les couilles. Là-haut, c'est pas notre affaire. C'est simple, clair et net. On n'est pas les mêmes maghrébins qu'eux. La tête de ma mère. C'est grave. C'est très, très grave. Est-ce que tu as déjà vu un robeu faire ce genre de vidéo en disant les filles noires qui vont avec les hommes noirs et puis derrière, il y a une musique de fond, vous êtes des salopes. Tu verras jamais ça. Parce que nous, on est bien éduqués. Et parce que nous, on parle pas des gens comme ça. Mais là, c'est une pure réalité sur la tête de ma grand-mère, là-haut, ils vous ont chié dessus. C'est pas la peine de venir et de nous dire, ah, c'est des gamins, c'est des gamins. Les gamins, non, non, ils savent très bien ce qu'ils font. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est embrouiller un état d'esprit. Bientôt, on va faire culpabiliser nos cousines de se marier avec nous. Non, 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 non. On vous détruira avant. Wallah l'adhim. Wallah, wallah, wallah. J'ai vu partir, ça, je l'ai... Donc voilà, c'était la story de Bassem. Après, je vais pas passer la tête du mec, voilà. Je vais pas passer la tête du mec, mais son TikTok, il a circulé, sa tête, il a circulé, voilà. Là, maintenant, il risque de se prendre des baffes dans la rue. Voilà, manquer de respect à une communauté, ça se fait pas, voilà. Mais c'est aussi parce qu'on a trop banalisé, voilà. On a trop banalisé, on s'insulte entre nous, là, ça a mal, j'ai encore vu ça dernièrement, les embrouilles entre Algériens et Marocains, du coup, il faut insulter la femme musulmane, c'est devenu quelque chose de banal à force de l'entendre partout, d'insulter, de s'insulter, de se mettre des étiquettes, de se coller des faux clichés, bah, c'est devenu banal, bah, on se respecte pas entre nous, comment tu veux que les gens ils se respectent? Comme j'avais dit dans une autre vidéo sur l'autre chaîne, lavons notre linge sale en famille. Tu vois, bah, comme j'avais dit, je peux m'embrouiller avec mon cousin, mon frère, mais le soir même, on est ensemble et on a tout oublié, on mange ensemble et on se pardonne, même si on s'embrouille. Voilà, faut se dire ça. Des fois, il y a des jours, c'est des grosses embrouilles, mais si à Haja, on est les premiers à bouger l'un pour l'autre. Donc, arrêtez un peu vos conneries et tenez aussi vos bouches un peu tout le monde. Après quand il dit que oui il n'y a aucun rebeu qui a parlé mal des femmes renois. Après t'as l'autre cas malheureusement qui parlait de l'esclavage des noirs, ça je condamne totalement. On n'a pas le droit de parler comme ça à des êtres humains et encore moins aujourd'hui. Parce qu'il pouvait y avoir des décalages civilisationnels à certaines périodes, mais aujourd'hui, hein, il n'y en a plus. Tu vas dans tous les pays en Afrique, voilà, ils ont tous Internet, des immeubles, ils sont comme nous. Il n'y a pas de quoi que ce soit. Donc, je condamne fortement ceux qui insultent les Noirs, mais encore plus ceux qui insultent ma propre race, comme on dit. Voilà, faut arrêter un peu les conneries parce que ça va mal finir. Après, on va dire, ouais, c'est les rebeux, ils sont méchants. Un jour, ça, il va y avoir des histoires louches et après, ils vont dire ceci, cela.
C'est comme le mec, il s'affiche en plus. Il s'affiche à insulter. Voilà, et après il va y avoir un problème et ceci, cela. Non, faut arrêter un peu les conneries là d'insulter les communautés. Il n'y avait pas ça à notre époque. Il n'y avait pas ça. C'était même pas imaginable. C'est comme moi, je vais pas aller dire, je vais aller voir les prostituées à 20 balles en passant la frontière. Ça m'est jamais venu à l'esprit. Mais maintenant, en écoutant ces gens, je me dis, quel exemple je pourrais te chercher? Ben, je me dis, je suis con. T'as juste à passer la frontière. Même pas, t'as même pas, elles franchissent la frontière elles-mêmes. Faut arrêter. C'est pas pour ça que je vais mélanger ça avec mes potes sénégalais ou les potes maliens ou comoriens, que leur famille, leur mère, leur soeur, elles n'ont rien à voir avec ça. Elles n'ont rien à voir avec des trucs comme ça. Donc, faut arrêter de jouer au con parce que voilà. Là où elle aime, comme on dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche et je vous dis à la prochaine.